Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bastien, on va prendre des nouvelles, bien sûr, des skippers du Vendée Globe. Absolument, vous allez voir, durant cette petite fenêtre sportive, on peut prendre de la hauteur sur l'eau. Explication, on va commencer, vous l'avez dit, par Arnaud Boissière. Souvenez-vous, résumé des épisodes précédents, Arnaud Boissière a un problème, son hook s'est coincé, alors qu'on voit là effectivement l'avancée de la flotte du Vendée Globe. Alors Arnaud Boissière avait un vrai problème, une voile grosso modo, hein, c'était coincé en haut du mât. Il a eu plusieurs tentatives de manœuvre, finalement il a dû se résoudre à devoir monter tout en haut du mât pour régler le problème. Et le mât, vous savez à combien il est de mètres à peu près ? Aucune idée. 25 mètres. Ah oui. Voilà, donc il a fallu qu'il joue les acrobates. Et écoutez, c'était avant-hier, donc après qu'Arnaud Boissière ait finalement réglé son problème de hook. Voilà, tout à l'heure j'étais là-haut. J'ai une voile depuis deux jours qui était restée bloquée. C'est un peu contraignant. Je suis un peu fatigué, donc je vais aller faire un dodo après. Parce que faire de l'alpinisme, c'est fatigant. Voilà, Arnaud Boissière qui fait de l'alpinisme pendant le Vendée Globe. Ça ne s'invente pas et ça n'est pas fini pour Arnaud Boissière, puisqu'il devra, une fois que ce sera un petit peu plus calme au niveau du temps, remonter pour installer un système de remplacement tout en haut du mât. Donc ça n'est pas tout à fait terminé pour Arnaud Boissière. Il a eu raison, Arnaud Boissière, de prendre un petit peu de repos, parce qu'hier, ça a été du très très gros temps pour la flotte du Vendée Globe. Comme on dit dans ces cas-là, Yannick Bestaven, l'autre skipper néo-aquitain, le Rochelet cette fois, s'est fait sacrément secouer. C'est un peu la guerre à bord de Matrocoque. À peu près 30 et... un peu plus de 30 nœuds de vent là, je suis au reaching à 18 nœuds, j'en ai encore pour 3 heures à me faire un peu malmener, mais l'option sud ça a l'air pas trop mal en termes de classement pour l'instant. Donc ça c'est cool, ça met le moral. Bonne journée à tous, on continue à fond. Et regardez, petite image de l'avant du bateau. Voilà, c'est plutôt sympa cette vidéo. Ça nous fait vivre en direct ce que doivent affronter les skippers de ce Vendée Globe. En revanche, pour Jérémy Bayou, c'était l'un des favoris. Il était même en tête. Il a dû faire demi-tour direction les Sables d'Olonne parce qu'il a eu une avarie des voies d'eau après avoir heurté un OFNI, objet flottant non identifié. Côté classement, Yannick Bestaven, il a dit tout à l'heure, est 12e. C'est plutôt pas mal. Et Arnaud Boissière, 24e. Petit à petit, Arnaud Boissière va remonter son retard parce que pendant 48 heures, il a dû, vous l'avez dit, faire des manœuvres pour tenter de régler son problème de main. On reste en mer, Bastien, mais cette fois, on va parler de surf. Oui, avec toujours beaucoup de hauteur, puisque Justine Dupont, la canolaise désormais installée du côté de Cap-Breton, a été sur la vague mythique de Nazaré fin octobre. On va voir cette vague absolument énormissime lors d'une session qui marquera certainement les esprits. Justine Dupont dit « Jamais je ne suis allé aussi vite sur une vague ». Et la dernière fois, elle a été flashée quand même à 65 km/h. Donc elle devait faire du 65-70 km/h, là, hein, Justine Dupont, sur cette vague. C'est certainement pour elle la plus grosse vague qu'elle ait jamais surfée. Elle en parle sur son site qui s'appelle Au fil des vagues. Écoutez. C'est là où je suis allée plus vite sur une planche. C'était juste dingue, c'était immense. Et dur aussi les perturbations et tout. Puis on n'avait pas de repères puisque c'était quand même la plus grosse houle que j'ai jamais vue, moi. Et au tout début d'hiver, donc on n'avait pas de repères sur d'autres houles. Donc c'était dur et techniquement encore une autre étape. Donc c'était chouette de sentir qu'on passe encore un palier et plein de positifs, plein de leçons qu'on apprend de ça. Et c'était mal parti pourtant hein, pour Justine Dupont qui ce matin-là, on le voit bien dans la vidéo, avait le dos bloqué, enfin ça allait pas fort. Quoi qu'il en soit, sachez que le record c'est de 24 mètres hein, quand même, ça n'est pas Justine Dupont qui le détient, c'est une Mexicaine. C'est d'Arnaud Boissière en fait. Exactement, ouais. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit, on prend de la hauteur sur l'eau. Voilà. Et puis rapidement, une petite brève pour vous dire que la Fédération de hockey sur glace a prolongé finalement la suspension du championnat élite, donc Ligue Magnus jusqu'au 1er décembre.
décembre, Ligue Magnus, à laquelle participent les boxeurs. Et forcément, le boss des boxeurs est plutôt déçu. Merci Bastien, on vous retrouve demain pour l'agenda sportif du week-end. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe CIP.